La parole est une arme à deux tranchants. Elle peut cristalliser, donc avec peu de conscience, je dis je suis triste, et quand je dis ça, là, je... Ou que je suis triste, en même temps, je voudrais que tout le monde le sache, je suis triste, alors je m'enfonce dans ma tristesse, alors aussi bien pas en parler, parce que là, t'es encore... tu fais grandir ta tristesse. Il y a aussi ce dont je viens de parler à Estelle. Je suis triste. Ah, je suis est avec un sentiment de tristesse. Donc, je commence à le voir. Ce qui voit que je suis triste peut s'occuper de la tristesse. Alors, le dire en conscience est un moyen de libérer la tristesse. Le dire sans conscience est un moyen d'amplifier la tristesse. L'étiquette, en tout cas, je ne dirai jamais que l'étiquette amplifie l'identification. Ça peut le faire. Mais parfois, le seul fait de mettre l'étiquette juste... Tu vois, ça a fait ça avec Marie ce matin. J'étais avec elle, je sentais, je sais pas, il y en a marre de vivre ou quelque chose comme ça. Le fait... Oui, c'est ça. Tu vois, on se décolle. OK. Quand on est décollé, on a un pas important de fait pour prendre ça et l'accueillir en soi. Donc, moi, je trouve beaucoup plus de bénéfices de nommer que de ne pas nommer. Quand on nomme pas, on reste plus facilement englué avec ça. Pareil pour « je suis ». Alors, je pourrais être sans me le nommer. Mais moi, bon, là, ça le fait moins, mais les premières années, juste dire je suis, le bonheur d'être, la joie d'être, qui je suis. J'aurais pas voulu me priver de ça. En fait, c'est bien sûr que je suis, mais là, je suis en conscience et ça amène quelque chose de plus. Alors, on peut ne pas utiliser les mots, mais on peut aussi les utiliser, ça dépend de ce qu'on fait avec.